Monsieur Lurton. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État. Alors que nous allons commencer l'examen de ce texte sur l'asile et l'immigration, je souhaite vous faire part d'une réflexion. Il s'agit depuis 2015 du cinquième texte, voire du sixième, que nous examinons sur des sujets, même si les précédents textes étaient davantage liés à des problèmes sécuritaires. Ce que je regrette, Monsieur le Ministre, c'est qu'une fois encore, nous sommes conduits aujourd'hui à examiner de nouvelles mesures sans qu'aucune analyse de fond n'ait jamais été réalisée sur les mesures mises en œuvre précédemment. Vous constatez, vous nous l'avez rappelé, que le nombre de demandeurs d'asile et l'immigration augmente de façon très importante dans notre pays. Et au lieu de tirer les enseignements des textes précédents, vous nous proposez de nouvelles mesures sans qu'aucune analyse de fond n'ait été faite sur les mesures mises en œuvre, sur leurs effets ou sur leurs lacunes, ou encore sur les mesures que nous avions nous-mêmes proposées. Pour autant, ce texte me permet de rappeler, s'il le fallait encore, que la France est et a toujours été une terre d'asile, une terre d'accueil. Le Premier ministre du Canada vient de nous le rappeler avec brio. Et à titre personnel, Monsieur le ministre d'État, j'approuve votre article premier qui substitue aux cartes de séjour vie privée, vie familiale d'un an, qui sont aujourd'hui délivrées, deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles de 4 ans. Mais si nous savons tous que la France doit rester une terre d'asile, qu'elle le sera encore plus dans les années à venir, elle ne peut pas l'être de façon inconditionnelle et désorganisée. C'est certainement là une autre lacune de votre texte et de notre politique migratoire en général. Nous tentons d'accueillir les populations qui arrivent, d'organiser leur accueil, alors que force est de constater que nous n'avons pas toujours les moyens de les accueillir de façon digne, alors que parfois même, je m'interroge de savoir s'il ne serait pas plus important d'orienter nos actions sur l'aide au développement, notamment sur l'aide au développement des pays africains. Oui, la France doit rester une terre d'asile, mais ce ne doit pas être au détriment de la sécurité de notre population. Enfin, Monsieur le ministre, il manque un chapitre à votre texte, même s'il est indiqué dans le titre du texte, il manque un chapitre sur l'intégration des personnes. Cela manque cruellement à votre projet de loi. Merci.